Attends, je vais essayer de faire un truc. Vais faire un truc. Hein. On voit pas les visages. Vous voyez? Mais là, apparemment, c'est le propriétaire de la voiture. Donc, il aurait prêté la voiture. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Propriétaire de quelle voiture? De la grise? Mais non! Ah, c'est lui qui a été prendre un café alors. Ouais, ben il a vécu une escorte ou quoi? C'est quoi ce délire? Normal, il était où lui? Normal! Normal, les gens, normal! C'est pas une Audi, c'est une Mégane. Mais en fait, il y a eu un grave accident, les gens. Un choc frontal, et le mec, il est parti, je sais pas où, il est parti à l'hôtel ou il est parti faire un truc avec sa go, je sais pas. Mais il y a eu un choc frontal avec celle-là. Choc frontal sur Marseille, déjà. Mais elle demande s'ils ne les vont pas à MTR, la blague. Voilà, t'es un blagueur, toi. Eh oui, c'est lui qui conduisait. Eh oui. Eh oui. C'est pour ça que je le filme pas. Ça, là, j'ai... Je le filme pas, mais oui, c'était lui le conducteur avec sa go, là. Ça jouait les kékés, là. Regarde, l'état de la caisse. Et les flics sont en train de... Ouais, des Espagnols qui passent, et ils entendent dire racaillo, policio. Voilà, les touristes, ils doivent péter un câble. Il y a des événements tous les jours ici. Là, il y a le propriétaire devant la voiture. Ouais, il y a eu deux blessés graves, les gens. Il y a eu deux blessés graves. Tu vois? Tu vois, donc là... J'essaie de pécho s'il vient vers moi. Ah non, c'est pas. Ah, il est dans la merde, là. Dans la merde. Il revient, là, il revient. Il est parti jeter un truc. Bah ouais, j'ai vu à la Cayelle, ouais. Ah, mais... C'est Marseille, bébé, mais voilà, c'est le Bronx maintenant, c'est plus comme avant, Marseille. Regardez la gueule de la voiture, regardez la gueule de la voiture, les deux chocs frontales, les rues de la République, les gens. Rue de la République, les gens, à Marseille, punaise, regarde. Bah ouais, ça craint. Bah ouais, je crois qu'il a voulu impressionner la meuf, t'as tout compris. Il a impressionné que dalle. Voilà, t'es impressionné ta vie, t'as bousillé ta vie, là. Il vient de bousiller sa vie, le mec. La dame, je sais pas ce qu'elle a, mais voilà, quoi. Quand je l'ai vue, les pompiers l'ont emmenée. Bon, elle était en chaise roulante et elle avait la jambe en sang. Voilà ce que je peux vous donner comme info. Mais je ne sais pas après l'état du bébé. Je ne connais pas. J'espère qu'il va bien, c'est tout. C'est même plus de l'ambiance là, c'est même plus de l'ambiance là qui se raconte. Regardez la gueule de la voiture. Portez. Là, ils sont en train de parler avec lui là. Vous voyez? Là, il y a le propriétaire de la voiture et tous les flics qui sont autour de lui. Bah oui, il est revenu, il a dit c'est moi le propriétaire de la voiture. Je sais pas si c'était lui le conducteur. Mais je crois que oui. Hein. Je sais pas si c'était lui. Peut-être qu'il s'est barré et là il revient. Hein. On sait, je sais pas. Hein. Moi je suis arrivé, l'accident était là, il y avait les pompiers, il n'y avait pas encore le balisage, il n'y avait pas les flics. Regardez le début du replay, vous allez voir quand je suis arrivé. C'est Pierre Pamal qui conduisait, enfoiré, voilà, c'est pas bien. Peut-être c'est celui qui loue, ouais. C'est ce que je me suis dit, ouais. Mais chelou le mec, hein. Chelou quand même le mec. Mais la personne que j'ai vue, la dame de la RTM, qui m'a agressé directement quand je suis arrivé sur les lieux. Et puis après, elle s'est excusée. Elle m'a dit, franchement, pardon, mais je suis sous le choc de ce que j'ai vu et tout. Elle me dit, j'assistais en direct, j'étais là. J'ai dit, ok, d'accord, je comprends. Je dis, reposez-vous et tout. Et je lui dis, c'est passé quoi? Elle me dit, ah non, mais en plus, le mec, il est sorti de la voiture. Il a été prendre un café normal, quoi. Alors qu'elle était, il y avait des blessés et tout. Elle m'a dit, ça m'a choqué. J'ai dit, je comprends. Donc, moi, je suppose que c'est lui. Donc, il a écumé. On dirait une escorte à me faire. Pardon. Hein. Voilà. Tu vois, donc... Non, il n'y a pas de mort.
Je pense, ouais, c'est la voiture grise, entends. C'est quoi, regarde, je pense qu'il est pas au courant de sa voiture. Je pense que c'est louard, les gens, parce qu'il regarde l'état de la voiture, il se tient la tête, le mec. Il est comme un dingue. Il est dégoûté. Oh putain, je peux pas le filmer, les gars. Je vais pas le filmer. C'est pour sa sécurité. Tu vois, mais il est dégoûté, regardez. Il s'est assis et tout, il est dégoûté. C'est à Marseille, les gens. On est à Marseille. Il y a eu un choc frontal entre deux voitures, deux blessés graves, dont une femme enceinte. Désolé de vous apprendre ça, les gens, mais voilà. Vous voyez? Ouais, il va prendre sa gueule dans les bras. Bon, peut-être c'est un couple, hein. Peut-être c'est un couple, hein. Et puis qu'ils auront du service à des frères à lui ou des potes à lui. Et voilà. Donc, vous voyez? Donc là, ils sont tous. Il est tout retourné, le mec. Tu vois? Et je pense que, comme je vous ai dit au début, il y a eu choc frontal. Et comme je vous ai dit au début, je pense que le mec qui vient d'arriver là, le proprio là, celui qui a fait la location, je pense que c'est lui qui a fait la location à des jeunes, à des potes à lui. Et ils ont fait de la merde. Ouais, il y a trois quarts d'heure, ça s'est passé, il y a eu un choc frontal. Je pense que c'est elle qui conduisait vite. Ouais, il y a eu un choc frontal. Ouais, il y a eu un choc frontal avec celle-là. Frontal. Et il y avait une femme enceinte dedans. Là. C'est ça qui craint, quoi. Et elle est sortie sur siège roulant. Oui, mais c'est un manque de priorité. Ah oui, c'est un manque de priorité. C'est elle. Ah, voilà. Non, c'est elle. Ah, je pense que. C'est un 60, c'est une voiture de location. Donc je pense que c'est des jeunes qui ont loué ça. Et puis ils ont fait un peu de. Ils ont fait une bêtise, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est par rapport au bébé. Voilà, les voitures, on s'en fout. C'est la ville même, bien sûr, ça n'a pas de prix. Bon courage. Ah oui, tout est fermé, je pense, pour un bon moment. Ah ouais, toujours tout est bloqué là. Ils ont toujours. Là, ils ont figé la scène, hein, le temps que les experts arrivent, ils ont tout figé. Hein. J'essaye d'être discrète parce qu'ils vont. La voiture du mec, c'est la grise. Comment ? J'essaye d'être discrète parce que ça, ils vont me dire à part du photo. Non, 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 vous pouvez, on est en liberté d'expression, madame. C'est pour mettre sur mon groupe, donc j'ai une photo du deuxième. Bah, faites, madame. Par contre, si vous les postez sur le réseau, je pense que là, c'est une photo, mais floutez les visages. Oui. Voilà, c'est tout. Fais gaffe qu'ils regardent pas. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'il y a eu, les gens, pour ceux qui viennent d'arriver, rue de la République à Marseille, je vous montre vite fait, deux voitures. Deux voitures, choc frontal. Il y a eu un choc frontal à Marseille, rue de la République, en plein centre de Marseille, juste à côté du Vieux-Port. La rue République est bloquée. Tout Marseille est à l'arrêt, là. Tout le centre-ville de Marseille est à l'arrêt. Plus personne ne peut bouger. C'est une artère centrale de Marseille. La rue de la République, c'est une artère centrale. Il y a tous les bus qui passent, tous les camions de livraison. Il n'y a que cet axe-là. Qui peut être emprunté par les camions. Donc, tout Marseille est stoppé. À cause de ce choc frontal, il y a eu un choc frontal à Marseille, les gens. Énorme choc frontal, énorme accident gravissime, deux blessés graves, malheureusement. Donc, triste nouvelle, parmi ces blessés graves, il y a une femme enceinte. Qui, j'espère, ben, le bébé va bien, on s'en fout des voitures, quoi. J'espère que c'est... Voilà, quoi. Je vais même appeler l'hôpital pour savoir si elle va bien faire. Parce que, voilà, ça m'inquiète. Bah, c'est un peu délicat, quoi. C'est un peu délicat parce qu'il y a le propriétaire de la voiture grise qui vient d'arriver. Et vu sa réaction, vu la réaction qu'il a eue, il n'était pas au courant que... Enfin, c'était pas lui le pilote, quoi. C'était pas lui le chauffeur. Et je pense que les conducteurs, ils se sont barrés. J'ai un doute que les deux, ils se sont barrés. Ils étaient deux, hein. Mais je pense qu'ils sont barrés. Je sais pas pourquoi. Parce que, voilà. Si c'était pas eux, les locataires de la voiture, ça se trouve, ils avaient pas le permis. Et ils sont barrés. Je sais pas. Mais la dame de la RTM, quand je suis arrivé, qui était sous le choc, elle m'a dit clairement, le chauffeur, il est parti direct prendre un café, il fumait sa clope. Normal. Elle m'a dit, je suis choqué. Je dis, bah, écoutez, je suis désolé pour vous. Je dis, essayez de vous calmer. Et je lui dis, voilà quoi, c'est fou.
C'est une voiture de location, ouais. Voiture de location, celle-là, là. Ah, ils sont en train de chercher le propriétaire. C'est fou. Énorme. Choc frontal. Il y a eu un choc frontal entre ces deux voitures là, c'est celle-là la fautive. La location, une voiture de location. Là, c'est une histoire de ouf. C'est vrai? Ah ouais, c'est une histoire de ouf. Ça parce que. Enfin, non, ouais, il y a trois quarts d'heure. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais c'est une histoire de ouf parce que là, il y a le propriétaire de la voiture qui vient d'arriver. Et apparemment, c'est pas lui qui conduisait. Donc, c'est une voiture de location, il a dû louer la voiture pour quelqu'un. Ah ouais. T'as vu, des fois, ça arrive ça. Voilà, particulier à particulier où on te donne un truc puis on te loue sous un autre nom. Et là, le mec qui vient d'arriver avec sa gonzesse, là, qui est là-bas en blanc, là. Le blanc avec la jeune dame en charge. D'accord. Ils sont ensemble, ils sont arrivés, c'était là, et le mec se tenait la tête, et ça se voyait qu'il, voilà quoi, il était choqué quoi. En voyant l'état de la voiture, il imagine le pire, tu vois. Parce qu'il y a deux blessés graves. Ah ouais? Là. Et là, donc, malheureusement, après le choix, il y a une femme enceinte. Oh, là, là. Il y a une femme enceinte, donc. Deux blessés graves. Mais doublé, je pense qu'il a dû doubler. Ouais, je pense qu'il a doublé. Il y a dû avoir. À mon avis, c'est des jeunes parce qu'ils ne les retrouvent pas. Apparemment, ils les cherchent là. Ah, ils sont partout. Et ouais, c'est pour ça, c'est une histoire de fou. Il y a le mec qui a loué la voiture qui vient d'arriver, qui a vu l'état de la voiture, qui s'est tenu la tête, qui s'est et même ouais, assis là devant. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui va tout prendre, tu vois ce que je veux dire. Légalement parlant, il faut qu'il donne les noms des mecs et tout. Ça se trouve, il ne connaît pas, tu vois. Mais des fois, c'est une histoire de ouf. Ah, la loose, là. Ah, ben lui, Ah, lui, ça y est, s'il y a vraiment des dégâts corporels graves, sa vie, il est foutu. Okay, ils sont partis déjà en ambulance, enfin... Ah oui, ils sont déjà tout partis. La dame qui était enceinte, elle a été sur une chaise roulante. Ouais. Elle avait la jambe en sang. Mais bon, avec le choc, c'est le bébé, ouais, moi, qui m'inquiète. C'est le père, là. C'est le bébé qui m'inquiète, moi. Le choc, c'est... Elle, ça avait l'air d'aller, mais c'est le bébé qui m'inquiète. Vu la caisse, regarde l'état de la caisse, là. Regardez l'état de la caisse. Elle était dedans, la femme enceinte. Côté passager en plus. Elle était côté passager. Elle était pas côté. Regardez le côté passager comme il est enfoncé. Donc, à mon avis, elle a dû avoir ses jambes de bloquer. Elle a mis 40 minutes pour sortir. Ils ont mis 40 minutes pour la sortir. Tu vois? Donc, c'est que vraiment. Elle a dû avoir la jambe de cassée ou un truc comme ça. Mais bon, avec le choc, avec l'onde de choc, le bébé, il prend les organes, ça prend. C'est pas bon, hein. Qui conduisait la noire, c'était les deux dames. Je sais pas si il y avait un mec au. Je crois qu'il y avait son mari avec elle. Parce qu'ils l'ont mis tout de suite sur la civière. J'ai pas.